Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 juin. C'est la Saint-Prosper, donc je souhaite une bonne fête à tous les prospères qui pourraient nous écouter. Et puis la petite phrase du jour, excusez-moi, est de Desmond Tutu. L'espoir, c'est être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. J'aime beaucoup cette phrase, je la répète. L'espoir, c'est d'être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. Sur ce, nous allons voir ce que cette journée va nous apporter. Alors, qu'est-ce qu'on a en amour? Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que... Ah, ça y raconte une jolie petite histoire. Alors, peut-être êtes-vous pour certains en break. Peut-être il y a eu, on va dire, une période où vous n'avez peut-être pas eu autant de communication, ou peut-être moins de communication, ou moins d'échanges. Et pourtant, un déplacement se profile, une rencontre également, quelque chose qui fera la différence, parce que ça fait partie de votre destin et de votre destinée. Alors, si vous n'êtes pas dans le cas d'un break, peut-être est-ce aussi le fait que vous avez été longtemps, on va dire, célibataire et sans personne, et que lors d'un déplacement que vous allez faire, vous allez rencontrer votre personne de cœur durant ce déplacement. Donc, ouvrez les yeux. Il faut vraiment ouvrir les yeux. Alors, on vous dit, il y a des décisions à prendre, hein. On voit qu'il y a un accomplissement. Je pense qu'il faudrait que vous preniez vraiment, je dirais, des décisions fermes et définitives d'un point de vue peut-être professionnel ou par rapport peut-être à un projet que vous mettez en place. Au lieu effectivement de le reculer à chaque fois, il faut vraiment que vous y allez, que vous allez jusqu'au bout de vos idées, hein. J'ai vraiment cette sensation d'accomplissement par le biais d'actions décisives pour aller de l'avant. Et d'ailleurs, on vous le redit bien, puisqu'on vous dit le développement est un progrès graduel, donc c'est le but du jeu, c'est d'avancer avec prudence, certes, mais il faut avancer quand même parce que l'approche est convenable, on est sur un développement. Et puis, on vous dit que la beauté de ce qui est petit, eh bien, n'hésitez pas, on va dire, à prendre une grande attention à des choses très subtiles ou très petites, parce que la découverte de l'extraordinaire est dans l'ordinaire et le maintien de la simplicité vous permet d'avancer. Donc, j'ai presque envie de vous dire d'aller voir, on va dire, de gratter, comme on dit un petit peu, le côté minutie dans votre vie pour voir les choses. Donc, peut-être des détails qui sont importants dans votre domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire qu'après une période peut-être de chômage ou d'immobilisme ou quelque chose qui vous a un petit peu mis en retrait, eh bien, vous retrouvez une forme de stabilité, c'est-à-dire vous retrouvez votre entrain légendaire, vous retrouvez la bataille et là, tout d'un coup, les portes s'ouvrent et vous trouvez des solutions. Donc, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail, aujourd'hui est peut-être la journée où vous allez avoir un tilt, une solution, quelque chose qui va vous permettre de trouver une porte qui s'ouvre et justement, pourquoi pas, trouver un job. On vous dit, de quoi puis-je avoir peur sinon de mes propres pensées? Mes pensées créent mes limites tandis que mes rêves repoussent mes limites hors de mon existence. Des miracles arrivent maintenant dans ma vie. J'ouvre mes bras tout grands à cette joie et mon cœur crée les miracles. Donc, on a bien, grâce à cette superbe carte, hein, on vous dit bien que les choses sont en train de se mettre en place, que la seule et unique personne qui peut effectivement ralentir, c'est vous en vous mettant des balles dans le pied, alors que tout arrive promptement. Regardez, eh bien, on vous dit ressentez votre être intérieur. Ça veut dire recentrez-vous sur vous et ressentez ce que votre âme vous dit et ce que vos guides vous disent pour ceux qui sont éveillés ou qui ont envie d'aller plus loin dans leur éveil. Quel autre conseil on vous donne aujourd'hui? L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, je dirais que c'est encore une jolie carte qui vous dit que la seule et unique personne qui bloque, c'est vous-même, alors qu'il y a plein de choses qui arrivent pour vous. Et puis la petite phrase est de Confucius pour terminer. Eh ben, au lieu de se plaindre de l'obscurité, mieux vaut allumer la lumière. Je répète, au lieu de se plaindre de l'obscurité, mieux vaut allumer la lumière. Et je trouve ça très intéressant puisque la première phase de ce matin était de Desmond Tutu et c'était l'espoir, c'est d'être capable de voir la lumière malgré l'obscurité. On a les mots lumière et obscurité qui reviennent. Il y a peut-être un petit message subliminal pour certains d'entre vous.
tout. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, à bientôt. Au revoir.